Bonjour tout le monde et merci d'être là pour cette causerie tapouée, réunion de cuisine Mischief avec Jamie Morse. Je m'appelle Christine Lalonde, je suis une Canadienne, colon et conservatrice au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je me trouve aujourd'hui à King Knight, dans le territoire autogéré inuit du Nunavut. Et je vais faire mon introduction de l'extérieur parce qu'il fait tellement beau ici aujourd'hui. Il y a Kenite, la montagne Kenite qui est juste derrière moi et c'est magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler avec quatre artistes féminines extraordinaires de diverses régions du monde et nous parlerons des femmes et de d'autres thèmes où nous mènera la conversation. Alors, Maureen Gruben est des nôtres. Elle utilise une matérialité alors qu'elle désassemble et réassemble des éléments organiques et industriels. Elle utilise de la fourrure d'ours polaire, des peaux de phoque, des résines, des vinyles, du ruban métallique. Et elle établit ces liens critiques entre la vie, l'Arctique de l'Ouest et les préoccupations mondiales pour l'environnement. Taya Adeho est une artiste multimédia qui vit et travaille à Lagos, au Nigeria. Elle explore les concepts d'identité de femme et elle utilise les cheveux dans son travail comme langage visuel. Ça va être très intéressant de l'entendre nous parler de cela. Elle utilise du collage, des dessins, la sculpture, des multimédias. Elle contemple les identités des femmes par l'optique de la modernité et de la culture. Sina Reese se trouve sur la côte ouest. C'est une artiste métis. Sa pratique comprend l'art performance, l'humour, les arts. Elle a étudié les arts médiatiques à l'université d'Emily Carr et en 2010, elle a présenté une performance à Sydney en Australie. Et je vais, pardon, changer de main parce que ma main est en train de geler. Merci, Christine. J'ai encore une invitée à vous présenter. Pardon, des petits problèmes techniques ici. Je pense que je vais entrer. On voit l'air froid autour de vous. Enfin, la dernière, mais non la moindre, Sandra Chamchak, qui est artiste photographe, éducatrice et conteuse, qui pendant des années a créé des œuvres visuelles fondées sur des perspectives empathiques, sur la résistance à la dominance et à la culture dominante et un profond respect pour le contexte plus large que le contexte humain. Une exposition à laquelle elle a travaillé avec son défunt mari, James Nicholas, de la nation Nishishawa-Yashik-Cree, qui s'intitule « Itten A Wook », nous nous plaçons au centre, est exposée à la Galerie d'art Mackenzie de Regina. Donc, à voir. Et bien sûr, l'hôte de notre journée, ma brillante collègue Jamie Morse, éducatrice au Musée des Beaux-Arts. Et nous avons la grande chance d'accueillir Sacha Souda également, qui est la brillante directrice générale du Musée des Beaux-Arts et qui a fait tellement de choses pour nous mobiliser tous à changer l'ambiance de travail. Elle a beaucoup changé à cause de la pandémie, évidemment, mais grâce à ses efforts et son leadership, l'ambiance a changé pour le mieux. Je suis très heureuse que vous soyez là ce matin, Sacha. Bonjour.
quel honneur, quel privilège d'avoir quelques minutes pour prendre la parole aujourd'hui. Je veux simplement vous dire bonjour à tous. Je suis la directrice générale du Musée des Beaux-Arts et je vous parle du territoire non cédé Anishinaabe, où je vis et où je travaille également. De mon bureau à la maison, et c'est là où se trouve le Musée des Beaux-Arts. J'ai passé la matinée à l'extérieur à profiter du magnifique territoire où nous sommes, et je veux vraiment continuer de penser aux nombreuses personnes autochtones qui se sont occupées de ce territoire depuis des millénaires. Je vous remercie d'être des nôtres pour cette causerie Tapuae, réunion de cuisine Mitchif. Alors, notre thème, ce sont les femmes et les soins. Nous avons des artistes de différents fuseaux horaires, Washington, Colombie-Britannique, Tok-Tok-Yok-Tok, Lagos, Nigeria. Et d'ailleurs, je remercie toutes les femmes qui ont accepté de faire partie du panel. Nous célébrons le matriarcat, beaucoup de force. Et nous souhaitons souligner cette journée internationale des femmes qui vient de s'écouler. Tapuae, en langue nagaya, est la reconnaissance de la certitude de la vérité. Tapuae, en langue nihewau, est une confirmation et une reconnaissance de la certitude et de la vérité. Je suis très heureuse d'annoncer que le Musée des Beaux-Arts du Canada est ouvert aux visiteurs pour des aventures en personne. Venez nous voir. Now please join me along with Christine Lalonde, Associate Curator of Indigenous Art, and Jamie Morris, Educator Indigenous Program. Veuillez vous joindre à moi avec Christine Lalonde, Jamie Morris, deux femmes qui au musée ont fait énormément de choses depuis des années avant que j'arrive. Donc voilà, profitez de cette causerie de nous inviter. Christine, alors nous nous sommes tressés les cheveux toutes les deux, je ne l'avais pas remarqué, donc c'est le thème des tresses entre les hôtes de la journée de la causerie. Alors bon après-midi, je m'appelle Jamie Morris, je suis l'éducatrice des programmes et de la sensibilisation autochtone au musée et je suis tellement heureuse d'accueillir toutes nos invitées qui peuvent mettre leur caméra pour qu'on les voit. Nous avons Tai, nous avons Sandra, Maureen et Skida qui arrivera sans doute un petit peu plus tard. Donc, je voulais commencer tout d'abord par dire que c'est formidable de voir tout le monde. Merci. Aussi à l'un de mes artistes préférés pour la confection de bijoux. Alors, je porte les boucles d'oreilles de Warren Stephen Scott qui sont ovoïdes et qui sont un peu glacées comme l'hiver. Et je les porte en hommage à Christine qui est dans le Nord. Sacha porte les siennes aussi. Donc, c'est Warren Stephen Scott, qui est un formidable designer en bijoux. Maureen en a aussi. Et on ne l'avait pas prévu. On ne l'avait pas prévu. Warren sera heureux de savoir qu'on porte toutes ces boucles d'oreilles aujourd'hui, trois d'entre nous. Alors, je pense à l'expression « les femmes et le bien-être » ou « les soins » et j'ai beaucoup d'idées à ce sujet, surtout dans le cadre de la COVID, en tant qu'artiste également. Qui travaille à temps plein donc dans ce domaine. C'est le moment de se reconnecter, je pense. Et je voulais savoir ce que pensent les panélistes de cette notion de femme et de bien-être ou soins. Cela peut signifier plusieurs choses, mais pour moi, c'est quelque chose de réconfortant, c'est synonyme de rire. Je pense à du thé et je pense à des tasses de thé spéciales.
Et j'ai ma petite théière thématique qui me fait penser aux femmes et au bien-être. C'est la théière que j'utilise quand je me sens heureuse et à l'aise, confortable. Je vais commencer par Thaï. Thaï, qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette notion de femme et de bien-être? Bonjour tout le monde. Bonsoir, en fait, d'ici, il est 19h. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce que cela évoque pour moi? Lorsque j'ai entendu parler de ce sujet, honnêtement, je n'étais pas très sûre du point de départ. Ça me paraissait tellement vaste. Mais venant de mon continent, d'Afrique, en particulier du Nigeria, lorsque nous pensons à des soins, pour les femmes, c'est synonyme de donner. Et les soins se traduisent par l'amour aussi. L'amour n'est pas un mot que nous utilisons beaucoup ici, mais soin est notre façon de traduire l'amour. C'est une façon de donner de l'amour. Donc, je dirais que c'est surtout l'idée de donner. En résumé, en résumé très, très bref, femme et soin, c'est synonyme d'amour. Oui, vous avez raison. Très souvent, nous donnons beaucoup en tant que femme, et nous n'attendons pas de retour, en fait, très souvent. Il y a toutes les leçons qu'on apprend et qu'on transmet. Donc, je suis intéressée, Maureen, de savoir ce que les notions de femme et de soins signifient pour vous. C'est vaste, les soins que les femmes produisent en tant que mères, en tant que gardiennes de leur communauté. Il y a aussi le territoire, l'environnement. Ce sont les femmes, je pense, qui aiment profondément leur environnement, les communautés, les gens. Oui, on parle de notre mère, la terre, quand on parle du territoire, quand on parle de la terre. Donc, la terre serait une mère qui donne. Sandra, vous et Skeena avez fait quelque chose de très touchant. Vous n'avez pas besoin de parler de vos œuvres, mais je pense aussi que chacune de vous apporte une dimension à cette notion de femme et de soins, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre travail artistique, quelle que soit la forme que cela prend. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Sandra, les femmes et les soins, la notion de soins? Vous devez ouvrir votre micro, Sandra. On fait tous la même erreur. Bonjour tout le monde. C'est un privilège d'être ici avec vous. Je pense à ma baba, ma grand-maman. Elle était la matriarche de la famille. Elle était ukrainienne. Elle aimait sans condition. Et c'était cet amour qui nous a liés avec Skeena. On se disait qu'elle nous inondait de tant d'amour et de tant de soins. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a créé un lien avec cet amour. Et la façon dont on apprend de nos aînés sur la façon d'aimer, c'est la chose la plus importante que l'on apprend dans la vie, comment aimer. Je sais que quand moi j'ai regardé ce film, cette vidéo de vous et Skeena, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu, je ne pouvais même pas l'imaginer. Ma grand-mère est allemande et je sais qu'elle a vraiment mis beaucoup d'amour pour m'élever. Elle m'a donné des bains quand j'étais petite.
Et je me demandais, en fait, Christine a parlé de ce que vous faites avec les cheveux taille, et je ne sais pas si vous voulez faire un lien avec ce qu'on vient de dire. Alors, quand on parle du prendre soin, alors les femmes, on prend bien soin de nos cheveux, nous, les femmes. Et donc, en tout cas, sur le continent africain, je vous parle de Lagos, je parle peut-être pour le Nigeria entier, les femmes prennent beaucoup de soin de leurs cheveux. Elles sont aussi très exigeantes quant aux cheveux de leurs enfants. On ne peut pas sortir sans avoir les cheveux bien coiffés. Si vous sortez, si les enfants sortent, votre maman vous rappelle dans la maison, « Non, reviens, arrange tes cheveux. » Et ma sœur, j'ai une jumelle, me le fait encore. « Oui, je le savais !» Je ne savais pas avant de lire un livre. Et ils ont dit « Taillé !» Ça commence avec un K. Candy. Alors, vous êtes jumelles? Oui. Moi, je ne suis pas difficile quant à mes cheveux, mais elle me disait toujours, taille, fais quelque chose, coiffe-toi. Elle me le répète constamment. Et elle a une fille très jeune qui a encore... toute jeune et elle lui donne des coiffures très complexes et elle, même s'il n'y a presque pas de cheveux, les cheveux de sa fille, vraiment, ça la représente quand elle n'est pas là. Alors les gens sont passionnés pour tout ce qui concerne les cheveux et voilà pourquoi c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. C'est un excellent moyen pour créer des liens, tisser des liens entre les femmes, les cheveux. Moi, je les ai coupés courts avant, ils étaient très longs, mais partout où je vais, mes cheveux sont un sujet de conversation. Ça initie la conversation et c'est comme ça que ça c'est venu à faire partie de mon travail. Les gens s'intéressent aux cheveux, surtout les femmes, bon, en majorité les femmes. Alors voilà le lien entre les femmes et le prendre soin et les cheveux. C'est aussi un engagement de temps et de ressources pour les cheveux des femmes africaines. On a une épaisse chevelure et ça prend beaucoup de temps. Alors, on ne peut pas simplement se lever le matin et passer un coup de peigne. Ça prend au moins une heure. Et pour les gens comme moi, il faut vraiment prendre une journée par semaine pour les cheveux. Alors, je vais y aller très lentement, étape par étape. Et il faut toujours commencer par le bas, par les bouts. Oui. Et voilà pourquoi je me suis coupé les cheveux, parce que c'est très exigeant. Je respecte les femmes noires qui gardent leurs cheveux en afro. Oui, je trouve que c'est merveilleux qu'elles arrivent à le faire. Donc voilà le rôle ou le lien entre la chevelure et le prendre soin. Quand vous parliez, je pensais à l'importance. Mon fils a 17 ans, il a des cheveux très très longs qui lui arrivent presque aux jambes. On parle de garçons avec des tresses, des nattes, et c'est un phénomène qui revient et souvent ça génère du racisme à l'école. Alors, il y a une campagne ici où on parle des hommes avec la natte, avec la tresse. Et souvent, ce sont les mères qui leur montrent comment faire une tresse. Donc, ils le font avec trois brins. Les trois idées
C'est comme quand on fait la tresse de foin d'odeur. Maureen, vous aussi, vous travaillez avec les cheveux. Ce ne sont pas des cheveux humains, en autant que je le sache, mais il y a des cheveux humains avec lesquels on peut faire quelque chose. On faisait des fleurs brodées avec les cheveux, mais vous servez de cheveux d'une autre façon. Est-ce que vous voulez nous en parler? Eh bien, ma première carrière, j'étais coiffeuse. Alors, je l'ai été très longtemps. Quand j'avais 19 ans, j'ai commencé il y a assez longtemps. Donc, j'ai toujours été fascinée par les cheveux, le style, la créativité. Et j'avais 6 sœurs. Donc, on était 7 filles dans notre famille. Et on travaillait beaucoup avec la fourrure, parce qu'on vit dans l'Arctique et la fourrure, c'est bien essentiel, comme Christine le voit maintenant. On a besoin de la fourrure pour rester au chaud. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ça constamment et progressivement, c'est devenu un travail de création d'art. Et mes œuvres récentes, il y en a une au Musée des Beaux-Arts National avec les longs poils de la fourrure d'ours polaire. Alors, la fourrure qui est à côté de la peau est très très douce et on peut l'utiliser pour tisser. Moi, je ne sais pas comment tisser, mais j'ai demandé à quelqu'un, à Victoria, de filer de la fourrure d'ours polaire. Alors, c'est comment on le fait avec la laine, on tisse comme ça, oui. Alors, de la laine d'ours polaire, oui, c'est merveilleux comme travail. Alors, si on met l'ours polaire à côté de ma chevelure, ça se ressemble pas mal. Je sais que mon père était très jeune quand ses cheveux ont grisonné. Avant 30 ans, il avait déjà les cheveux gris. Et il est trappeur, il travaille avec les animaux. Alors moi, je me sers de poils de caribou et de poils de porc-épic, de caribou. Alors, de prendre quelque chose qui était à côté d'un corps chaud et de le transformer en une œuvre créative, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, la peau de phoque que Christine a avec la fleur, vraiment, ça la garde au chaud. Oui, et c'est aussi très à la mode. Oui, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la décoration. Et c'est intéressant, cette idée du fait que la nécessité est à la racine de ce que les femmes fabriquent. On le fait pour les membres de la famille et même pour tailler les cheveux. Parfois, on pense que c'est quelque chose de secondaire parce que c'est quelque chose qui semble superficiel. Ça traite de l'apparence, mais c'est un symptôme très important du prendre soin. Les femmes ne laissent pas leurs enfants sortir mal coiffés parce que ça suggérerait qu'elles ne prennent pas soin de leurs enfants et de leur famille. Et j'ai pensé à tout ce qu'on dit maintenant, les femmes et le prendre soin, et combien c'est différent
dans le nord que celle est du sud. Je travaille, je voyage dans le nord depuis presque 10 ans maintenant. C'est la deuxième fois où je suis allée avec mon fils et c'est une façon très différente de vivre dans le nord. Je ne peux pas simplement ouvrir la porte et aller me promener. Je me sers d'un ama-outil, cette merveilleuse invention des femmes inuites, cette technologie qu'elles ont créée au fil des siècles comme façon de pouvoir se déplacer dehors tout en gardant l'enfant au chaud. Donc, c'est un grand capuchon où l'enfant peut rester et il y a un deuxième capuchon pour le couvrir. Et je m'en suis servi longtemps, mais maintenant il a vraiment grandi, il pèse presque 30 livres, donc je m'en sers seulement à l'occasion quand je vais dans la cour. Et l'intérieur commençait à être déchiré et je savais qu'on avait besoin de le réparer, mais je ne prenais pas le temps pour le réparer. Mais quand je suis arrivée ici, c'est une des premières choses que j'ai faites et j'ai vraiment eu à penser à comment on va prioriser notre temps. Ce qui est important, dans le sud, c'était agréable de le porter, mais ici, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux même pas aller à la coop si je ne peux pas le transporter. Et je dois y aller à pied et je veux qu'il ait chaud. Et je suis la troisième femme à se servir de cet ama-outil. C'est une femme qui l'a créé, ça a été donné à une autre femme, et moi, je suis la troisième femme qui l'utilise, et je veux vraiment en prendre soin et le donner à une autre femme après. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée ici, c'est commencer à faire de la couture. J'ai appris à coudre quand j'étais très jeune. C'est ma mère et mes grands-mères qui m'ont montré comment le faire, et ça semblait une chose tout à fait naturelle et tout à fait nécessaire à faire ici. Alors, j'aime ça quand les choses s'imbriquent, la nécessité et le reste. Mon ama-outil est magnifique et c'est un vêtement fonctionnel que les femmes ont perfectionné au fil des siècles. Mais il y a aussi des éléments de style, des éléments de virtuosité. Alors, on veut montrer son talent en ajoutant certains éléments, les pièces qui couvrent les épaules, par exemple. Alors, vous étiez en train de coudre l'intérieur du capuchon, personne ne va les voir, mais c'est vraiment prendre soin de votre fils, qu'il soit bien au chaud et en sécurité. Alors, il y a beaucoup de moyens de montrer qu'on prend soin. Là, je voulais juste mentionner une autre chose au sujet des cheveux. Ça, c'est un petit scrunchie, un genre d'élastique fait par Maya, qui a 10 ans à Kitikanzibi. Elle a cette petite entreprise qui les vend. C'est sa mère qui lui a enseigné comment les coudre et elle le vend dans sa collectivité, dans sa communauté. Et c'est une jeune entrepreneur. Et elle met son énergie dans le prendre soin, comme sa mère l'avait fait pour elle. Christine? Sandra, j'aime beaucoup quand je vois le doigt de Christine comme ça, près de son écran. Oui, je suis gauchère, j'utilise toujours mes gauches, pardon. Donc, Sandra, je voulais savoir quel âge aviez-vous quand vous avez appris
ou quand vous avez observé cette notion de femme et des soins. Vous avez parlé de votre grand-mère en tant que matriarche. Comment se manifestaient ces soins? Elle cuisinait. Elle faisait la cuisine. Elle venait vivre avec ma famille un moment, puis allait vivre avec la famille de ma cousine. Et elle faisait à manger. Et elle était une formidable cuisinière, très aimante. Et donc, elle faisait pour mon frère, pour ma sœur, leurs plats favoris. Et c'était toujours... avait toujours ce lien avec la nourriture qui était faite avec tant d'amour. Et recevoir cette nourriture était comme recevoir une bénédiction. Cela me ramène au dernier livre que j'ai lu, qui s'intitule « Honey Butter Pig Bread ». Et il y a plusieurs recettes données dans tout le livre. Et je me suis dit, ah, il faut que je fasse un repas vraiment complet pour mes adolescents quand ils viendront me voir, parce que le langage de la nourriture signifie qu'il faut sortir du sous-sol où on est en train de jouer à des jeux vidéo pour venir chercher la nourriture, chercher les plats. Il y a aussi le fait de nommer les ingrédients et d'assembler les ingrédients. Je pense à l'intention derrière la préparation des plats, de la nourriture, qui est une chose magnifique. Je ne sais pas si certains ont des commentaires, d'autres commentaires sur la nourriture, les femmes et les soins. Taille. Oui, dans la culture africaine, la nourriture, c'est vraiment un thème majeur. Alors, comment est-ce que les gens se divertissent et s'amusent? Ils sortent manger ou ils vont manger. On cherche toujours de la bonne cuisine locale, mais dans le contexte des femmes et des soins, eh bien, J'ai grandi et qu'on est une fille et que votre mère cuisine, il faut que vous soyez autour de votre mère pour la regarder et l'aider, l'assister, et il faut que vous appreniez à cuisiner. Donc, la maman vous prépare à élever une famille, à s'occuper de votre famille, s'occuper des enfants. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. C'est le souvenir, en fait, que nous avons pour la plupart d'entre nous. Quand on a de jeunes enfants, de jeunes fillettes, et que c'est le moment de faire à manger, ce sont les fillettes qui viennent vous retrouver dans la cuisine. Mais c'est un peu problématique aussi, dans une certaine mesure, parce que les garçons n'apprennent jamais à cuisiner. Et ça perpétue le modèle. Et cette idée que les femmes doivent s'occuper de la cuisine et que les hommes ne s'occupent pas de ces corvées. Quand je réfléchissais à ce thème des femmes et des soins, je pense que c'est dans notre nature de prendre soin des gens. On le fait mieux, on aime mieux que les hommes, mais est-ce que c'est vraiment le modèle de la vie ou est-ce que c'est quelque chose pourquoi nous nous sommes entraînés? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons appris par la façon dont on nous a élevés? On trouve des hommes qui ne connaissent rien aux corvées ménagères et ils estiment que c'est la complète responsabilité des femmes de faire toutes ces choses-là. Que nous faisons, nous, simplement parce que c'est qui nous sommes, parce que on se soucie du bien-être des autres et on aime, et donc on fait tout cela. Et on grandit, et là, on se trouve avec un partenaire ou un conjoint qui pense que c'est notre rôle primordial. Pour moi, c'est problématique. Je pense à nos grands-mères, à nos mères, à toutes les femmes qui nous ont précédées. Elles ont joué ce rôle de s'occuper de leur famille, de veiller à son bien-être. Mais nous oublions que ces femmes
ont aussi participé à la vie financière. Ce n'est pas que les hommes qui travaillent. Bien souvent, les femmes sortent travailler aussi. Et voilà pourquoi, dans mon travail, je pense toujours aux femmes. Dans tout le travail que je fais, j'ai un corps de travail que j'appelle la série hybride, où je pense à la façon dont les femmes sont toujours en transition. Nous avons cette capacité de changer de rôle, de porter des casquettes différentes, de travailleurs à personne qui nourrit les autres, qui prend soin. Je pense qu'on a cette capacité à devenir des personnes différentes, à jouer différents rôles. Je me suis beaucoup éloignée de la nourriture, là, tout d'un coup. Oui, mais ça, c'est le propre de nos conversations. Donc, je vais m'arrêter là. Et qu'est-ce que cela signifie d'autre? Les femmes et les soins. Une des choses, c'est que, par exemple, en période de pandémie de COVID, ce n'est pas pareil, mais faire des vidéoconférences, parler aux gens, faire des choses pendant que l'on parle, que ce soit travailler les perles ou, pour moi, travailler avec les écailles de poisson. Bon, je me dis, OK, je ne peux pas voir cette personne cette année du tout. Et donc, on transmet nos enseignements par ces moyens. Je ne suis pas très, très proche de toutes les femmes dans la famille de mon père. J'ai plutôt grandi avec la famille de ma mère et j'adorais voir beaucoup de femmes ensemble. 7 filles, trois garçons, trois fils, les tantes et les oncles. Et ce qui me manque, c'est l'espace physique de la présence d'autres femmes, d'avoir d'autres femmes qui viennent leur faire du thé et parler. Il y a beaucoup d'idées qui émergent de ces conversations, de ces échanges. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Voilà, ça me manque beaucoup, les petites visites impromptues. Mais Christine, je suppose que vous en avez beaucoup maintenant que vous êtes dans le Nord. Je suppose que les gens viennent vous voir. Alors, comment ça se présente? Puisque vous venez d'Ottawa où tout était fermé, les visites étaient interdites. Oui, effectivement, c'est très différent ici. À Ottawa, on a quitté le lendemain de la fermeture. Là. Donc, pendant 2 semaines, j'étais dans une chambre d'hôtel avec un enfant de 3 ans et un autre de 2 ans. Et à l'aéroport, toute la famille est venue nous accueillir. Tout le monde était très content de nous voir parce qu'on avait été absent si longtemps. Pas juste moi, mais les autres avec qui je voyageais, évidemment. Et j'ai passé la Journée internationale des femmes à une fête d'anniversaire avec uniquement des femmes et des enfants. La maison était remplie de monde. On a fait des jeux. Il y avait beaucoup de nourriture. C'était... En fait, je n'ai pas les mots pour décrire ce sentiment de pouvoir respirer à nouveau après le confinement. Je me rends compte que mon fils, qui a 2 ans, ne sait pas comment être avec d'autres. On vit en zone rurale, on a beaucoup de privilèges, mais je me rends compte qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des gens autour de lui, parce que la moitié de sa vie, pendant la moitié de sa vie, il en a été privé. Il ne joue même pas avec ses jouets parce qu'il est tellement fasciné par son nouvel environnement. J'ai une question, quelque chose à quoi je réfléchis m'intéresse beaucoup, c'est la façon pour les femmes de travailler ensemble. C'est différent des façons de groupes mixtes. Sandra, peut-être que vous pouvez en parler en premier parce que vous avez collaboré avec votre mari à un projet, mais vous avez travaillé aussi avec Skina et peut-être d'autres femmes. Donc, je suis intéressée par cette idée de la façon dont les femmes établissent des liens en travaillant ensemble, notamment des projets artistiques. Et j'aimerais savoir aussi si vous pensez à votre
auditoire thaï, je sais que celles qui vous regardent sont des femmes plus jeunes aussi. Donc, j'aimerais recueillir vos réflexions, Maureen, votre collaboration avec une autre femme qui est Sonia Keller-Combs, et qui est une des femmes les plus généreuses que je connaisse. Je suis curieuse, est-ce que vous remarquez une différence quand vous travaillez avec des femmes par opposition avec des hommes? Mon expérience, c'est surtout avec James et avec Skina. Et c'est très différent. Ils sont très différents eux-mêmes, deux personnes complètement différentes qui sont au milieu de leur parcours autant que je suis au milieu du moi. Donc, les mouvements que nous avons avec, enfin, nos relations sont toujours imprévus. Une chose m'a touchée, Skina m'a invité à me laisser baigner par elle en tant qu'aînée, blanche et matriarche. Cette vulnérabilité entre deux femmes a vraiment été accentuée par le fait que ma mère et la mère de Skina avaient du mal à me toucher, à me prendre dans leurs bras. Et donc, les sous-courants des relations interviennent alors de façon imprévisible. Je me rappelle que c'était une surprise pour mon corps, pour mon être, d'être touchée par une femme ainsi, d'avoir de l'eau qui me soit versée sur la tête de façon aussi généreuse, aussi aimante. Et voilà pourquoi j'apprécie son travail en tant que personnage sacré, en tant qu'artiste qui essaie d'entrer dans ces espaces où nous ressentons de la douleur. James, où nous avons été blessés. James a fait une œuvre qui s'intitule Mom, Maman. Et donc, il suspend les draps fleuris de ma mère sur la corde à linge. Il est aussi le petit garçon qui regarde au-dessus des draps fleuris, petit garçon de 4 ans. Et quand nous y avons pensé, nous nous sommes dit que quand James est parti dans les pensionnats à l'âge de 8 ans, de façon très profonde, sa maman lui a manqué. Et par la suite, quand il est devenu sa mère, il a ressenti beaucoup de joie. James a été une mère pour moi. Donc, cette capacité d'agir comme mère envers moi est très spécifique à Skina. Et à ma façon, j'ai essayé d'être une mère pour elle et de lui donner cet amour. Pour chacun d'entre nous, en fait, nous avons notre propre capacité de recevoir l'amour selon nos antécédents. C'est tellement important de le dire. J'avais commencé à le dire tantôt et puis j'ai oublié, mais quand j'ai vu le film, j'ai vraiment pensé à toute cette interaction entre le toucher, le fait d'être touché, les caresses nous manquent si on n'est pas particulièrement proche de nos partenaires, on compte sur les caresses de nos amis, le toucher des autres, de nos amis. Et donc, ça m'a fait pleurer. Et quand vous avez dit que votre mari est devenu votre mère, je me suis dit, quelle chose que de devenir la mère de quelqu'un. On essaie tous d'éviter d'être notre mère, mais passer du temps à
à agir comme votre mère. Si cette connexion manque à quelqu'un, ça pourrait être une façon de s'occuper de nous-mêmes en agissant comme nos mères l'ont fait. C'est magnifique, c'est très, très beau, Sandra. Merci d'avoir partagé cela. Donc, j'ai un petit scénario qu'on va vous présenter. Et Christine, j'aimerais beaucoup entendre Maureen parler de votre collaboration également. Et puis, Tai aussi, la façon dont elle voit des auditoires. Est-ce qu'on a le temps? Oui, oui, nous avons le temps. Alors, j'aimerais commencer en honorant mon père qui disait que sans une bonne femme, une femme qui est bonne, un homme est rien. C'est vrai. Quand je parle de ma mère comme étant quelqu'un qui prenait soin des autres et qui rassemblait la communauté ensemble, surtout dans le mois de juillet où on allait chasser la baleine ou préparer les baleines, chacune a sa spécialité. Il y en a qui préparent le oksouk, l'huile qui vient de la graisse des baleines, d'autres faisaient autre chose. C'était un processus très communautaire et nous on faisait le tout sur la plage et les hommes sont ceux qui vont à la chasse. Alors c'est un effort conjoint, il n'y a pas un travail qui a plus de valeur que l'autre. Et ce travail que j'ai fait avec Sonia Cattergut-Holmes, qui est devenue comme une sœur pour moi, on a un merveilleux contact, même si on est à grande distance, par le biais de nos ancêtres ou de notre ascendance et notre style de vie. Et on travaille avec les mêmes matériaux, mais de façon très différente. Elle est une excellente artiste et une très belle personne. Bon, alors maintenant, je veux la rencontrer. Vous allez la rencontrer. Alors, quand je pense à la collaboration, mais pas du côté artistique, mais plutôt quand on pense à l'histoire. Sandra, ce que vous venez de nous dire, ça a résonné en moi. Ça me fait penser à mon père qui m'appelait moi sa mère, parce que lui, il n'avait jamais connu sa mère. Et mes cheveux, je reviens aux cheveux, mes cheveux sont devenus ce lien. Un lien dont il servait pour faire une connexion entre moi et ma mère, et sa mère plutôt. Alors il y a la réincarnation, beaucoup de tribus pensent à la réincarnation, quelqu'un revient. Moi je viens du sud du Nigeria et la réincarnation est un élément important de notre culture. Alors mon père croyait que j'étais sa mère. Et il m'appelle maman. Et c'était sa façon de se consoler, de ne jamais avoir connu sa mère et de recevoir cet amour de la mère. Il a été élevé par son père. Et je pense à son passé qui n'a pas connu sa mère. Et je pense à la vie de ma mère où il y avait beaucoup, beaucoup de collaboration entre elle, sa mère, sa grand-mère. Et pour garder leur passé vivant, je ne sais pas comment elles se sont entendues sur quelque chose, mais elles l'ont fait. La grand-mère de ma mère, donc mon arrière-grand-mère, était Yoruba, membre de cette tribu, et elle a rencontré un homme de Bénin, donc les Yoruba de l'Ouest et du Sud, et ils ont cet arrangement. Alors, on voit ces femmes qui se sont entendues qu'on va adopter les enfants que vous avez, les enfants que vous aurez, vous allez donner un nom Yoruba à un de vos enfants pour garder le passé
Yoruba, parce que les femmes vont prendre le nom de leur mari. Et donc, les femmes se sont entendues entre elles qu'un enfant, un de leurs enfants, aura un nom Yoruba. Donc, nos noms sont des indicateurs d'où on vient. Les Nigériens qui entendent mon nom, ils savent, Taïe, c'est un nom Yoruba, mais je ne suis pas Yoruba. Mon père ne l'est pas, ma mère ne l'est pas. Et ce qui est curieux, c'est assez tard dans la vie que j'ai découvert pourquoi j'avais un nom Yoruba. Et ma mère m'a expliqué cela, qu'elles avaient cette obligation de donner un nom Yoruba à un des enfants pour que cet élément de leur histoire, de leur passé, ne soit pas oublié. Alors, ça, c'est un exemple de la collaboration entre les femmes. Oh, c'est très beau. Je sais que Christine aurait quelque chose à dire quant aux noms et transmettre les noms. Maureen, plutôt. Alors, on pourrait avoir toute une discussion au sujet des noms. Alors, Taïe, c'est quand il y a des jumeaux, celle qui est née en premier est plus jeune. Taïe, votre image est figée. J'avais lu dans les traditions yoruba que pour les jumeaux, j'ai des jumeaux aussi, mais les Ganigaha, les Mohawks, les Haudenosaunee ont leur propre tradition quant aux jumeaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes la jumelle la plus vieille et votre sœur est la sœur. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que celle qui est née en premier est la plus jeune ou la plus vieille? Bon, votre image est figée. Alors là, on ne peut pas l'effacer. Vous avez tous entendu cela. Ça va, on va voir. On va faire des recherches. Alors, je pense qu'on pourrait penser au jeu qu'on va jouer. Et Sacha, si vous êtes là, on vous invite à jouer avec nous. Alors, vous êtes quelque part dans la broussaille, sur les terres, dans un endroit isolé. Vous ne savez pas combien de temps vous serez seul. Ça pourrait être des mois ou un an même. Vous pouvez amener un livre, une pièce de musique et une œuvre d'art. Alors, vous pouvez parler de n'importe lequel, mais si on veut peut-être parler ou penser aux femmes et le prendre soin dans votre choix. Alors, moi, je vais commencer en posant la question à Maureen. Alors, si vous aviez à être seul longtemps, un livre, une pièce de musique et une œuvre d'art. Alors, je vais vous montrer le livre, Les femmes qui courent avec les loups. C'est un livre que j'essaie de lire depuis très, très longtemps. Je l'ai amené avec moi en camping. J'ai la version du livre de poche qui s'est complètement désintégrée. Alors, j'ai lu des petits bouts au fil des ans, mais je ne l'ai jamais terminé. Alors, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire quand j'en aurai le temps. Et là, dans notre scénario, vous auriez beaucoup de temps. Alors, j'essaie de penser aux femmes musiciennes. Moi, je travaille dans le silence. Je n'écoute pas beaucoup de musique. Mais quand j'écoute la musique, c'est normalement Leonard Cohen. Bon. Alors, vous voulez... Oui, j'aime aussi Tanya Tagalog. J'aime beaucoup sa musique. Alors, s'il fallait que je choisisse entre Leonard et Tanya, ça serait un choix difficile. Oui, moi aussi, je les aime les deux.
Et l'artiste que j'admire beaucoup, c'est Eva Hess, artiste d'origine allemande qui a travaillé à New York. J'adore ses œuvres. Elle travaille avec le latex, la fibre de verre et des tissus en gaz. Et elle faisait ça dans les années 50. Eva Hess, c'est mon artiste contemporaine préférée. Je crois qu'on a peut-être perdu Ty, son image s'est figée et elle a disparu. Alors on vous pose la question, Sandra. Alors, le livre, c'est « Towards Braiding », le tressage. Un des auteurs est Andreotti. Ça pose un défi. C'est les vraiment erreurs des institutions dans le processus d'indigénéisation. Et je suis vraiment reconnaissante pour ce livre. Alors, on a embauché quelqu'un pour indigénéiser l'institution et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pose des questions. Comment est-ce qu'on peut vraiment être honnête envers nous-mêmes? Comment changer notre cadre de référence? Et j'ai travaillé dans des institutions longtemps et je crois qu'on a vraiment besoin de réfléchir à cela. Et l'œuvre d'art que je prendrais, ça serait le Mask Bag de Skeena Reese. Elle nous a enveloppés dans son exposition à Balkan. Elle nous a enveloppés dans un sac de mousse pour qu'on ait vraiment l'expérience d'être enlacé par cette matière. Et j'ai parlé de la difficulté d'être enlacé, de recevoir un câlin. Et c'était aussi une expérience remarquable de laisser ce sac de mousse se dissiper. Et on pense aussi, le corps humain est un sac de médecine et quand on meurt, c'est quelque chose qu'on abandonne, qu'on laisse tomber. Et alors, dans beaucoup des enseignements, il y a cette idée de ce sac de mousse. Et l'œuvre de musique, c'était une piece par My Girl, Cheryl LaRondell et d'autres. C'était une chanson Eyes Wide Open, les yeux grands ouverts. Bon, alors je l'écris. Oui, c'est quelque chose vraiment qui m'ouvre le cœur complètement. Les yeux grands ouverts, je te vois. Est-ce que quelqu'un d'autre me voit? Est-ce que quelqu'un d'autre est capable de me voir? Non, non, je plaisante. Oh, Ty, tu es revenu. Tu n'étais pas là pendant 5 minutes et tu m'as manqué. Alors, Ty, si vous aviez un livre, bon, à vous la parole. Alors, je ne suis pas certaine de savoir ce qu'on fait. Bon, alors, il faudra peut-être vous le dire. C'est le livre que vous emmèneriez avec vous si vous deviez être toute seule dans le nord de l'Alberta en été. Je ne veux pas vous mettre dans la neige trop subitement. Alors, un livre, une œuvre d'art et une pièce de musique que vous pourriez apporter avec vous à cette petite cabane dans le nord de l'Alberta, vous seriez complètement seul pendant un an environ. Qu'est-ce que vous apporteriez avec vous? Bon, à vrai dire, c'est difficile de répondre, mais j'ai décidé, premièrement, j'ai choisi des choses qui résonnent avec l'endroit d'où je viens. On peut mettre les
mettre les choses en perspective pour un livre, j'ai choisi un livre par une artiste féminine nigérienne. Qui s'appelle Sefi Atta, et Everything Good Will Come, tout ce qui est bon va arriver. Une femme qui habitait au Nigeria et qui a été envoyée à l'école en Angleterre et qui est revenue au Nigeria pour y habiter. Et elle, ça traite d'amour, de la famille, et donc pour moi, ça résonne en moi. Alors, pour moi, c'est très important pour moi. Le poème est très important pour moi, donc ça fait partie de mon travail. Pour une œuvre d'art, là aussi, c'est difficile. Je vais donner le nom d'une artiste. Je pourrais choisir n'importe quelle de ses œuvres et du dégât. Crosby. Elle est artiste multimédia. Elle est aussi nigériane et j'adore son travail. Son travail porte sur les souvenirs, la maison. Et si je devais être à un endroit où je devais regarder une seule œuvre, je voudrais pouvoir la voir avec des yeux différents chaque fois. Son travail est tellement extraordinaire. On peut choisir un petit coin de son œuvre, de son tableau, mettons, et se concentrer là-dessus. Et il y a autre chose qui se passe ailleurs, dans une autre partie de l'œuvre. On ne s'en lasse pas. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je choisirais certainement une de ses œuvres. Et pour la musique... Alors, ça c'est vraiment difficile. J'ai opté pour quelque chose quelqu'un que j'écoute récemment, Brenda Fassie, musicienne sud-africaine. J'ai grandi en écoutant sa musique, Brenda Fassie, et à ce jour, je continue d'écouter sa musique. Je ne l'ai pas reléguée à un second plan, pas du tout. Je dansais sur sa musique et je continue de danser sur sa musique. Oui, il nous faut de la musique de cette nature-là qui nous fait sentir heureux. Sacha doit partir, alors je vais lui demander à elle. Sacha, qu'est-ce que vous apporteriez avec vous si vous étiez dans le bois si longtemps? Ah, d'abord, ça me donne l'illusion d'un véritable rêve. Le premier livre qui m'est venu à l'esprit, c'était le livre de Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends. Le premier livre que j'ai jamais acheté avec ma petite allocation en première année que je lis à mes enfants. Mais j'ai des livres sur ma table de chevet comme Maureen que j'essaie de lire et je n'y arrive pas. Je les donne ou je les prête avant de finir de les lire et je dois les racheter. Et je lis Braiding Sweetgrass depuis un certain temps. J'essaie de mieux comprendre et de trouver d'autres façons de savoir. Disons, je suis très intriguée par ce livre. J'écoute souvent Tanya, qui est un groupe de la côte ouest, mais j'aime aussi le nouvel album de Fiona Apple, qui est rempli de très belles rages. Et certains jours, j'ai le sentiment d'être très puissante. Under the Table est l'une de mes chansons préférées. Et ça commence par... je suis désolée d'être en désaccord, mais être en désaccord ne fonctionne pas, enfin, pour moi. Et j'irai dîner avec vous, mais le vin que vous pourrez me servir ne va pas me faire taire. En d'autres mots, faites tout ce que vous voudrez, je dirai ce que j'ai à dire. Donc, j'écoute son message.
Une œuvre d'art, ça c'est difficile pour moi parce qu'il y en a tellement, mais une œuvre que je vais contempler très souvent, même si c'est un artiste masculin, ce n'est peut-être pas mon artiste préféré, mais il y a une œuvre de Matisse qui s'appelle La leçon de piano, qui est tellement magnifique. Les couleurs, l'optimisme, la palette, il y en a tellement d'autres, mais voilà. Et c'est celle que vous contemplerez longtemps, donc c'est une belle œuvre pour faire réfléchir aussi. Alors merci beaucoup, Sacha. Je sais que vous avez un appel à prendre. On est samedi et elle travaille, elle continue de travailler après cette causerie. Voilà son dévouement. Je suis désolée de partir, c'est la cruauté de la période. J'ai quelqu'un qui m'attend dans ma salle Zoom. Merci à tout le monde, vous êtes des femmes extraordinaires. Alors, il est passé 2 heures et je sais que j'aimerais continuer de bavarder avec vous, mais... Et vous dire quelle musique, quelle œuvre, etc., j'apporterai, mais je vais mettre ça ailleurs. Voilà, merci de tous vos commentaires. J'ai l'impression que je dois sortir et prendre une femme dans mes bras. J'ai des filles, je vais aller les trouver quelque part. Donc voilà, merci beaucoup, Maureen, Sandra, Ty, Sacha, Christine également, merci d'avoir partagé toutes ces réflexions. Et si vous avez des derniers messages avant de partir, Tapwe, ça veut dire, c'est comme une confirmation. Ça nous donne la permission d'être nous-mêmes dans cette pièce. Christine. Non, pardon, je réglais quelque chose simplement avec mon doigt. On devrait toutes faire cela pour terminer la causerie. Je réitère ce que Jamie vient de dire. Merci beaucoup, c'était vraiment merveilleux. Oui, j'aimerais aller faire une caresse à quelqu'un, prendre quelqu'un dans mes bras et je le ferai pendant les prochaines semaines. Les gens sont tellement généreux et bons. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'emplit. Et je veux, voilà, embrasser tout le monde. Et donc, je vous envoie des embrassades virtuelles, des caresses virtuelles. C'est une façon de rester en lien tant qu'on ne pourra pas se revoir pour le faire en personne. Voilà, cela étant dit, je vais éteindre mon vidéo. Merci beaucoup à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.